Le loup est dans la bergerie. 10 victoires sur 15 courses, ajouté 4 places de deuxième, un écart de 25 points avec TPM Koich au classement général. Courrier Dunkerque semble ne faire qu'une bouchée de ses adversaires. Mais les jeunes agneaux n'ont pas encore dit leur dernier mot. Tenez, lors de la première manche du jour, ils le collent au tableau arrière. Les Bretons ont la tête dure et les Nantais n'aiment pas se faire enfermer. Pour preuve, Bretagne Crédit Mutuel Élite termine à chaque fois sur le podium en prenant la deuxième puis la troisième place. Nantes-Saint-Nazaire, skippé par Corentin Douguet, tape du poing sur la table. À lui la victoire devant les Dunkerquois dans la seconde manche. Cette journée à 5A sonne comme une étape dans ce Tour de France à la voile 2012. Une étape cruciale de remise en question, de comptage des points au classement. Demain, c'est sûr, sur la course de ralliement vers Roscoff, ce sera la chasse au loup.